L'exposition présente l'œuvre de William de Gouvenhoek selon une logique qui ne suit pas le détail biographique de la vie et de l'œuvre de l'artiste, mais qui suit plutôt les nuances colorées, les nuances de la palette utilisée par l'artiste. Donc on suit non pas la biographie, on suit l'itinéraire de la couleur. La première salle qui ouvre l'exposition présente d'abord de Gouvenhoek dans la réalité artistique de son époque. Ensuite, il y a une autre salle qui est celle dans laquelle nous nous trouvons et qui présente les œuvres nocturnes réalisées par de Gouvenhoek dans le courant des années 1890. Ensuite, la palette de de Gouvenhoek va s'éclaircir, mais pour aller non pas vers une explosion des couleurs comme nous avons le cas en France à travers les fauves, mais pour aller vers un éclaircissement de la palette qui sera celle de la lumière et de la blancheur de la neige. Donc on quitte une salle qui est une salle avec des paysages nocturnes pour aller vers la blancheur des paysages enneigés. Entre ces deux extrêmes chromatiques, la nuit et la neige, se trouve une parenthèse, qui est une parenthèse faite de lumière et qui correspond au séjour effectué par de Gouvenhoek dans ce qui était alors un paradis naturel, c'est-à-dire les îles Baléares, où de Gouve et son épouse ont séjourné durant 3 ans, entre 1899 et 1902. Au retour de son séjour aux îles Baléares, de Gouvenhoek va traverser une période qui est une période mystique. Donc il va repenser son rapport à la représentation de l'invisible et son rapport à la représentation du monde sacré en s'investissant dans une iconographie qui est une iconographie religieuse. Donc on quitte le monde profane pour s'investir dans une iconographie faite de Christ en croix, de Pietà, qui correspond aussi à la volonté de de Gouve de s'inscrire dans des réseaux qui sont des réseaux liés à la décoration des églises et liés au développement du monde catholique. Helene Krullemöller hield heel veel van het werk van de Gouvenhoek. En speciaal om het gebruik van de prachtige kleuren natuurlijk. Van de intensiteit van de kleuren. Maar ook zeker de symboliek die er achter de schilderijen zit. Daar was heel erg in geïnteresseerd. Helene Krullemöller die was gek op de schilderijen, de landschappen. En zeker ook die met pastels gemaakt waren. Dat pastel natuurlijk ook een hele mooie techniek is met een grote variëteit aan kleuren, hele kleurenschakering. En het prachtige van de Gouvenhoek is natuurlijk dat die kleuren heel dicht bij elkaar zitten, maar ook heel verschillend zijn. Waardoor het een hele, heel intensief schilderij wordt eigenlijk. Le musée Félicien Rops ouvre ses portes à des sujets qui touchent autour du 19e siècle et aussi bien sûr du symbolisme. Et de Gouve est l'un des peintres importants du symbolisme belge. C'est pourquoi nous avons décidé de lui consacrer une rétrospective. Et les liens en plus avec Félicien Rops étaient sérieux puisque de Gouvenhoek a eu beaucoup de contacts avec Eugène de Molder qui était le gendre de Félicien Rops, donc il avait épousé Claire Rops. Et par là, de Gouve connaissait l'œuvre de Félicien Rops, avait été à la demi-lune, la demeure aussi de Rops, et les liens entre les deux artistes sont attestés par la correspondance, notamment de Gouve. Alors, les recherches qui ont été menées dans le cadre de cette exposition nous ont permis de retrouver de nombreux documents et de nombreuses peintures inédites, et aussi d'établir une collaboration avec le Kröller-Müller qui nous a octroyé des prêts tout à fait exceptionnels. Je pense que beaucoup d'amateurs d'art, de critiques, de journalistes attendent cette exposition parce que ça faisait un grand nombre d'années qu'il n'y avait plus d'exposition autour de l'œuvre de Gouvenhoek. Et je pense que le catalogue de l'exposition va permettre aussi au public, aux lecteurs, de découvrir la personnalité de Gouvenhoek.